Ça n'a pas été facile de trouver une psychanalyste qui accepte d'être filmée. Mais Elsa n'était pas une psychanalyste comme les autres. Elle acceptait de venir rue Saint-Denis, de participer à des débats. De nos entretiens, nous ferons un livre. Quelques années plus tard, Elsa deviendra chroniqueuse à Charlie. Quelle que soit son idée de départ, elle arrivait toujours au même enjeu, trouver les chemins de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais vous voulez dire, la question, c'est pourquoi on veut pénétrer la femme. Ça veut dire qu'on veut être la femme. Peine à être la femme. Comme si la femme... C'est-à-dire que vous prenez... La femme, c'est un mot. Ça n'existe pas, la femme. Il n'y a ni femme, ni homme. Parce que vous prenez les choses un petit peu à l'envers de ce que moi, je pensais. C'est-à-dire, je me disais, on a envie de toutes les femmes, parce qu'au départ, on a envie de la mère, parce qu'on a été élevé avec la mère. Il y a un phénomène d'imprégnation, en fait, sens animal, quoi, en fait. Et là, vous dites l'inverse, vous. Vous dites, on a envie de la mère parce qu'on a envie de toutes les femmes, et il y a d'autres raisons qui sont indépendantes de la mère. Exactement, et si on a envie de la pénétrer, c'est autre chose qu'on a envie de pénétrer. Peine à être la femme. Ah oui. Ah oui. Ça n'a rien d'évident. Je me rends compte que vous m'ouvrez des horizons que je ne soupçonnais pas. Là, ça va. Il faudrait que je me repasse les cassettes et que je analyse chacune de vos phrases pour comprendre ce que vous dites là, parce que j'ai...